Vital Kamerhe n'est pas au cabinet du président pour l'aider. Tout ce qu'il est en train de manigancer, Ezali, pour préparer l'élection Naïa 2023. Dans sa tête jusque-là, il ne comprend même pas, il ne croit pas aussi que le peuple ne veut pas que Félix puisse lâcher le pouvoir en 2023. Pour lui, l'accord est signé, l'accord doit être respecté. Or, cet accord a été signé pour que Vital Kamerhe soit un premier ministre. Au moment où il n'y a pas eu possibilité qu'il ne devienne premier ministre, cet accord n'est plus respecté. C'est-à-dire quoi? Vous avez signé un truc et les résultats sont différents de ce que vous aviez planifié. Cela veut dire que le deal n'est plus respecté. Nous partons maintenant dans la vision autre, dans la vision où vont les choses. Donc maintenant les choses se sont planifiées autrement. Maintenant que Vital Kamerhe est le directeur du cabinet du président de la République, il doit travailler dans la vision du président. Essayez d'abord d'oublier le deal. S'il faut revoir les deals, ils le feront autrement. Mais pas pour lui faire devenir, puisqu'il ne sera jamais président de la République. Avec tous ces scandales, avec la façon dont son nom a été cité dans des dossiers sales, je ne crois pas qu'un jour, Vital Kamerhe sera un grand leader au Congo. C'est là que nous pouvons établir la différence entre l'UDPS et l'UNG. À l'UDPS, l'UDPS est un parti des masses où tout le monde parle et le président écoute. Mais l'UNC, à l'UNC, c'est le président qui parle et sa base écoute. C'est différent. Et chez nous, à l'UDPS, la base a dit que c'est le président qui va représenter le parti en 2023. Et le président est conscient de ça. Nous interpellons le président à tout moment d'évaluer son cabinet. Parce que cabinet wana ezo salirié. Le cabinet du président salit son image. Les membres de l'UDPS, je ne crois pas qu'ils ont vraiment un problème. Parce que si aujourd'hui le directeur du cabinet était un membre de l'UDPS, nous n'aurions jamais ce genre de problème. Si le directeur de cabinet était un homme du président, choisi par lui-même, il aurait travaillé dans sa vision. Mais maintenant qu'il y a deux leaders, c'est comme s'il y a une guerre d'esprit. Quand le président dit ça, comme Vital Kamerhe est son collaborateur, il va dire, mais monsieur le président, moi je veux que ça se fasse comme ça. Les autres comprendront mal. C'est comme ça dans le business. Quand vous avez un deal à quelqu'un, il aura toujours tendance à vous donner sur son point de vue. Même si ce que vous lui proposez est valide, il aura toujours tendance à vous dire que non, écoutez, mais je veux que ça se fasse aussi comme ça. Comme le président est un homme large, c'est un homme qui écoute tout le monde, qui ne veut toujours pas être correct, des fois il accepte. Mais non, je trouve mal la position actuelle du président. Puisque nous l'avons interpellé à plusieurs reprises. Il y a Kolomola Moutou, Oyo Vital Kamerhe. Il a travaillé une année, c'est une façon de le remercier. Monsieur, j'ai travaillé avec vous, merci beaucoup, j'ai apprécié le travail. Alors maintenant, vous pouvez travailler avec moi comme collaborateur. Je vais nommer un autre directeur de cabinet. Oyo, Akosala Moussa na vision nangai. Vous comprenez un peu cette nuance? À Longwe, on trouve une personne, Oyo Akosala Moussa na vision à président de la République. Une personne qui pourra commencer à faire des réunions à cabinet. Une personne qui pourra commencer à vérifier Moussa la cabinet sur ça les mandingeni. Une personne au total a intérêt na yété. Une personne au holingaté qu'on s'afficher na moi si na quand le président s'affiche avec la première dame. Une personne qui ne voudra pas offrir de grands cadeaux na mi soit partout pour faire une campagne. Il y a 2023 on a nekomi kutu pembenité. Un homme du président. Moussala Vital Kamerhe Azosala et Zapona qu'on bébé sa image il y a président Fati. Il ne va pas l'aider, c'est clair. Vital Kamerhe ne va pas aider le président de la République. Il ne l'aidera pas du tout. Au contraire, Azo bébé sa image.
Le lobe est un abîme qui a balayé au peuple, la zone à la présidente de la République. Nous avons compris l'accident de parcours, où est sali que le président a travaillé dans la majorité au Yobazala qui n'a pouvoir avant. Entre autres, la coalition FCC-CACH, qui a fait que le premier ministre vient d'une majorité parlementaire au Yobazala présidenté. C'est quelque chose qui était constitutionnel, puisqu'il n'y avait pas de choix. Même si c'était quelqu'un d'autre, il allait se retrouver dans la même situation. Ça serait même pire puisque l'autre allait opter même pour la cohabitation. Le président Fatia a été intelligent de choisir cette coalition. Mais il était animé d'une bonne foi. Il n'avait pas des arrière-pensées. Puisqu'il voulait bien travailler avec ces gens, il disait que c'était mes frères. Nous devons continuer à travailler pour construire notre pays. Essayez d'enlever cette image ternie du pays, de la RDC. Mais il y a intention de malam. Il y a comme ici, le peuple a comme l'icolo a mis ça là à FCC. Parce que nous avons fait une année, on a cheminé ensemble. Mais on trouve que Misala et FCC est bloqué. Donc, le président a deux coalitions. Oyo, il faut akabona nango. Asala Moussala na vision na. Il doit des fois attendre la makamboza ko lobata ngwa zaki na opposition. Amiyoki, il agit. C'est vrai que chose dans la opposition, tout ce que tu vas dire au Roloba, parce que des fois tu ne connais pas la réalité. Maintenant qu'il connaît la réalité, Azoua Biloko Oya Loba Bana Okanisa Kiza correct. Asa Lelayango, puisque le président Fatih est un combattant. Nous l'interpellons avec donc, insistance. Président Akabonana Nuna FCC. Ou s'il veut continuer avec les FCC, qu'il s'impose. Abanda ko sanctionner ba ministre wana, puisqu'il en a le droit. Après, quand il y aura une discipline au gouvernement, il va maintenant faire quelque chose dans son cabinet. Ou il peut faire le contraire. Parce que Kamere est dans son bureau pour nous surveiller, pour faire ce rapport par cabinet. Bon, dans le discours, Kamera Salakitan, Félix Akoutaïna Kabila, les deux autres personnalités, ils ne donnent pas la place du président, président de la République. Kabila, Aza honorable, Azali, sénateur à vie. Pourquoi ne pas dire que le président a reçu le sénateur Joseph Kabila chez lui? Donc, vous trouvez qu'en tout ça, il y a une personne qui est en train de faire ses plans, il est en train de planifier les histoires. Vous sentez qu'il y a une personne qui coopère avec le monsieur autrement? Mais tout ça, le président Fatih observe et il reste calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de planifier? Nous savons, on va calculer politique et Zali. Mais quelque chose, on a clairement, certainement que Tozana Katia boîte T. Mais tout ce que nous voyons est que, déjà, quand votre directeur de cabinet est accusé d'un mambo vol, détournement, pas dossier sale, même s'il n'est pas encore, même s'il est, il sera blanchi, mais dans un pays normal, il faut nous démissionner. Dossier ouana baye rolande lang aussi. Mais il y a tingami ouana. On apprend que yena moi aussi bazo sombaka banda quoi à l'étranger. Bambongo bazo zoawapi. Tant que ma kambouane obima sima. Image en Anekobeba. Qui rendra compte au peuple? C'est le président Félix Tshisekedi. Il faut qu'il se rende compte de toutes ces histoires au Tozoloba. Et nous, sa famille politique. Là, j'interpelle mes frères Obazo Kabwanana Limité. Nous devons observer toutes ces histoires, puisque ça va. Les autres qui ont la réputation sont partis Nabiso. L'UDP, ça fait 7 ans au pouvoir avant d'accéder au pouvoir. Plutôt dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir. Mais bon, on a eu des personnes qui 37 ans dans l'opposition. Bah, comme ça, la mandat moko, c'est de la honte. Nous devons nous organiser. Tout banda ko la moussa président, puisqu'il y a certains des cadres de l'UDP, au bazalina, numéro direct à président de la République. Bah, ben gakaye quand ils veulent. Et ce sont ces genres de choses qu'il pouvait commencer à dire au président de la République.
Vous ne devez pas appeler le président pour le flatter. Vous êtes ses collaborateurs. Il faut que vous ayez un monde. Vous ayez un peuple à Zoloba. Puisqu'il est là. Programme à président, il a le peuple d'abord. Mais aussi longtemps que ce peuple-là ne se retrouve pas jusque-là, le président doit être interpellé. Et puis il faut ayoka. Peuple. Puisque le peuple, c'est le peuple qui lui a amené là. Le peuple, là, c'est puis mêlé mandat en 2023. Il sera perdant. Et c'est tout l'UDPS qui va perdre. Vital Kamerhe doit démissionner à Luka Post Moussou Soissala Moussala à Tika cabinet à président de la République. Félix doit travailler avec des mains libres. Vital Kamerhe a une ambition comme président de la République. Une personne comme ça ne peut jamais aider le président. Comme je venais de vous dire plus tôt, cabinet où on a un président de la République, bah toi UNC, ils ne font rien. Moussala n'a pas encore boycotté Moussala président. Quels que soient les efforts au Bazo, Kanisa Bazo, ça l'effort, ils ne font rien. Puisqu'ils en avaient des capacités à Moussala plus. Au Bazo, dans les médias, ils ne font rien. Moi, sur ma chaîne, j'ai fait des efforts pour poster ma vidéo à Maman Marc, à Maman Denise, dans le Kassai. Porte-parole, Moutou a ça chargé à médias et à présidence. Moussala Nezani. C'est s'occuper de l'activité à présidence. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit Bazoloba. Ma vidéo, même pas RTNC, Azume, Yozuang. Nous sommes en train de faire des efforts et puis on a filmé avec un téléphone pour battre de langa ba image. Mais il y a certaines personnes au bazar qui ne font rien. Parce qu'ils ont un parcours balekan na UNC. Naba oyo baza na UNC oya UNC Moussala na bango zo monana te. Médias à présent c'est tous les médias qui se plaignent. Balongola bato baza ko sala Moussala makasa entre tratant de konanga de Kelezer oyo. C'est une personne qui a été au four et au moulin na campagne à Félix Tshisekedi. Il faisait passer des images. Mais lelo na président a été attaché de presse à Pamba ba PCT. Qui est derrière tout ça? C'est parce que Balingi Misala Félix Azo Sala Ibi Maté, l'UNC. Puisque Bangonde, il faut pas autoriser Papé Savakarte à attacher des presses de la présidence. Au gouvernement, porte-parole au gouvernement, c'est un membre de l'UNC. Tout le monde a dit que photo est au Tambola, au Conseil des ministres. Tout ce qu'il fait, c'est recevoir le rapport. Le rapport du Conseil des ministres du 31 décembre 1981, le président de la République après le Conseil. C'est tout, lire, c'est fini. Aux autres temps, à Makambo, ils n'ont même pas dans Moutounayo. Sur papier. Mais discussion, non, sur les canyons, on n'a rien. Tangyangote. Il faut bazong à la conscience parce que échec, il y a eu des PES. Et vous allez échec à UNC. Et qu'on a l'échec à FCC. Parce qu'ils sont tous dans une coalition. Il y a gouvernement. Et Bakani, c'était que, dans 2023, ils auront un message ou un discours à donner au peuple. Bazokos. Le président Fati reste au pouvoir. A cause de 5 ans, à cause de 5 ans, Moussous. Après, on va raisonner au Yassine. Mais pour le moment, Vital Kamerhe doit prendre conscience qu'il est temps, s'il veut aller préparer campagne née à 2023, qu'il aille le faire dans le calme. À ça, je peux m'en rebeller. Mais toujours, c'est un appel à la justice, Nabiso, à l'Andelaba, dossier au nion sur Batanga Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est au moins une vidéo, Bazoloba, que Vital Kamerhe a fait passer 180 conteneurs dans la douane. Quelque part, je peux comprendre cause à la mise à la 100 jours. Mais il faut que cela soit certifié avec une autorisation de la présidence. Lui n'est que directeur du cabinet. Comment il peut faire passer ma conteneur? Quels sont les contenus au Ezagina 4 à conteneur? Pourquoi il pouvait faire passer ma conteneur sans peut-être informer au président de la République? Et tout ça, ça revient sur le dos du président de la République. Comment le même n'a pas qu'à Kabila Zalaki Boyete.
Est-ce que vous comprenez le danger à Makambouane? Si Vital Kamerhe commence à faire des histoires comme ça, Tobundi Seleki Siko ba intouchable nini. Fallait toti ka Kabila. Parce qu'à l'époque à Kabila, nous nous battions pour na ba anti-valeur. Il fallait biloko ici là. Mais maintenant que biloko zo continuer. C'était quoi le but de notre combat? Que ceci interpelle le peuple congolais. Faut tout kanisa makambo to zo ça. Pour ne pas regretter plus tard. Il y a encore temps. Le président Félix a vu qu'on s'est rattrapé. Une année déjà, troisième mois est aussi là. L'année va s'achever bientôt, il ne restera que trois ans. Trois ans, on est aux alas, deux ans, il y a gouvernance, parce que troisième année à préparation électorale 2023. Il y a encore du temps, ça c'est l'année de l'action. Justice au président Pesaki, Moussala, non, Magi Bamba, magistrat, il faut pas ça à Moussala, non. Il ne faut pas laisser les intouchables. Le président a commencé déjà à hausser le ton. Il a haussé le ton sur Kabila. Il a haussé le ton sur les généraux. Il a haussé le ton partout dans le conseil des ministres. C'est ça ce que l'on veut. Mais il faut qu'on sente cet impact-là dans Makambo Zoleka sur terrain. Il faut que tout le monde ait un impact dans Makambo Zoleka. Il faut que tout le monde ait un changement. Le peuple a besoin du changement. Quand le coronavirus est au Lobela, et qu'il a impacté les sous-économies, puisque nous avons vu ça, la Chine a impacté l'économie Makasi, ici en Afrique du Sud, des impacts Makasi aux États-Unis, au Congo, l'économie d'habitude aura déjà un problème, mais espérons que nous allons épargner Bisso dans Makambo. Faites circuler cette vidéo pour que les gens aient conscience. UDPS to sangana nanu, l'heure n'est pas la division. Il faut to sangana nanu, to bengana munguna. So to bengani munguna pour son pouvoir wana ya mobimba, boko lemba ba poste. Ba poste na minute oza ko kabola kabola. Ba mécontent wana na ebi ke ba mécontent ba zoluka ba poste. Mais ce n'est pas le moment. Bo sangana nanu. To ju pouvoir na biso to batela yango, après tant to zoya yango ya mobimba. Bozala na ba bureau bozo ba poste bozo lukawa na bino moko boboya. Mais moi j'insiste plus sur le fait que le petit peuple oyo ba bunda ki makasi bazo continuer ko bunda na sa banzete ba reconnaître bon ba banda ko engager bango moko ba to na so ba monya ka 100 personnes na bango ba engager bango ba okitsemitema ba mona ki misala e misale ko moya to za la patiente ko zo pe tourne monsieur. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Vital Kamerhe, nini agriculture au Bosalaki et Zali Wapi. Projet agriculture. Bilangawane koki ko faire engager plusieurs personnes. Ça va faire taire les critiques. Mettons-nous au travail. Mais sinon, j'insiste sur le fait que Vital Kamerhe quitte le cabinet du président. Puisque ce monsieur, agenda naïsa très compliqué à comprendre. Il n'aide pas le président de la République. Et il n'est jamais venu à la présidence pour aider Félix Tshisekedi. Merci na bandeko balandingai. To kozongela bino susu na numéro mususu na dossier mususu. En tout cas, nazo pesa bino merci na bazo continuer ko s'abonner. Merci na bandeko nanga tout oyo bazo pesa nga ba conseil, ba oyo bazo sunga na ndenge nyonso bazo pesa ba idée, ba bazo komela biso, ba bazo benga biso, ba bazo pesa biso ba information. En tout cas, ça va droit au cœur. Nous avons aussi besoin que le lobby mutu soit salipé vidéo naie à lobby information naie à tinde libiso totali yango ce qui est la vidéo moko ezo match na actualité ou sur terrain on peut toujours balancer puisque nous n'avons pas le monopole de l'information, nous dépendons aussi de ses autres amis, nous collaborons aussi avec des autres amis qui sont sur terrain qui sont partout dans le monde aussi au bazana information ko likabiso so ba tinde libiso. Notre chaîne est ouverte à tout le monde na benga kayango opinion libre. En tout cas, abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso. To banda ko kabola bo puisque mboka wana ezaka ka moko, mama Nabiso, papa Nabiso za Congo. Quelle que soit division to kozala nango, mais soki bana yanda ko moko ba bundi et que mupaya yo bundi sa bango to zonga kana Nabiso nyonso to bundi si mupaya. Mupaya kei. Na kozonga la bino na émission ya Sika. Et je crois lobby bien après lobby na kozonga la bino na numéro moko émission moko na osala sur la vie de Joseph. Oyo tokota la réalité où il y a Bible et Joseph, il y a Bible où Joseph fils de Jacob, na Joseph Kabila, bon mon ndenge
histoire wana ezali lokola ndenge moko. En tout cas, restez branchés. Tokotie la bino émission wana lelo, donc avant, donc ce week-end vous aurez ces numéros là avec toutes les explications possibles. En tout cas, nzamba pambo la bino botika la malam. En tout cas, bonne guérison na pande kona biso onyo so basi bazu coronavirus na kata Congo. Tozo senge la bino nzambe ya lola a pambo la bino a guérir bino a protéger Congo na maladie wana na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse.